Yo, ici Truffy et bienvenue pour la démo de Final Fantasy XV, la Platinum démo que ça fait un moment que j'ai envie de le faire. Et c'est The Last Guardian à l'écran, un espèce de lémurien gigantesque avec une putain de corne, c'est une licorne. Ah les musiques, oh mon dieu. Je suis très impatient de voir ce que va donner ce Final Fantasy XV en... Enfin, comment il va s'inscrire au milieu de toutes les autres licences, etc. Les puristes sont assez avares de changements. Donc, je me demande vraiment de quoi il va en retourner, mais il me tarde de le découvrir. Aux côtés d'un adorable petit ange gardien, découvrez un bref aperçu de l'univers de Final Fantasy XV, en visitant l'étrange rêve qu'a fait Noctis quand il était enfant. Donc, c'est donc ça. Un petit ange gardien, est-ce que ça va être comme Bahamut et tout ça, des incantations? C'est plutôt Pokémon mignon. Bon les démons! Régis. Noo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 o
Ok, esquive. Tape le. La meilleure arme du monde, quoi. Tape le avec ton marteau, Queener. Et maintenant, je veux mon épée. Ouais. Par terre. Je t'ai défendu, petit renard. Fier de moi. Ça a pas duré longtemps comme combat, mais... Joli paysage. Et il commence à faire noir, ça fait peur. Défends-moi. Ça va, c'est... comment dire? Comment tu fais pour sprinter, Eddie? Qu'est-ce que tu veux? Mais il y a... Par ici, peut-être? Non, regarde, là-bas, il y a un truc. Il y a un truc, c'est mon rêve, fais ce que veux, renard. Va te faire voir. Je vais aller là, moi, dans le préservatif lumineux. Vas-y. Allez. Mais non, mais regarde, il y a un truc qui brille, je veux y aller, moi. Ça a l'air épique. Il suffit de sauter, quoi? What? Bah, je crois que... C'est... Il fout de ma gueule ou quoi? Il me dit que c'est par là et puis en fait c'est pas par là. Il m'a bien baisé. Ok. En même temps il est plus là, là je risque d'avoir des emmerdes, non? Ok, j'ai un peu du mal avec les déplacements. Vous ressentez une puissante aura. Ça s'appelle le soleil. Oh what the f... Non, c'est pas trop le soleil ça. Waouh. C'est impressionnant. Ok, c'est... Oh... Oh... Quelle est cette chose? Quel est ce Léviathan féerique qui s'envole dans le puits... Je sais pas... C'est ça que j'aime bien dans Final Fantasy, c'est ce côté démesurément magique. Fantasy. Allez, saute. Saute, gamin. Ok. C'est ainsi que Noctis mourut dans son rêve. Donc ouais, on a vu qu'il y avait un système d'attaque-défense qui était assez action. C'est pas tour par tour comme on a eu l'habitude avec les Final Fantasy, c'est beaucoup plus dynamique, on va dire. Le mode défensif est inefficace contre certaines attaques, d'accord. Ok, donc t'as un mode offensif et défensif, c'est... Oh, oh non, pas dans sa litière. Où est le prochain passage? Et musique toujours fantastique. C'est moi ou je suis tout petit? Je suis plus petit que toi, renard. Ça ne va pas. J'ai envie de t'appeler Bigorneau. Ça va, parce que t'as un Bigorneau sur la tête. Ne me demande pas pourquoi. Encore un truc sympa à me donner, mais t'as une licorne magique. Des feux d'artifice. Équiper Noctis des feux d'artifice. Oui. Ou ça, peut-être. Quoi? Attends. Je veux équiper des feux d'artifice, moi. Ça m'a l'air fantastique. Ok. Qu'est-ce que ça fait? Qu'une idée. Là-bas. Le temps avance rapidement. Qu'est-ce que... D'accord, waouh. Il faut que je cours, peut-être. Attends, le temps avance rapidement. D'accord, et... Je comprends pas ce qu'il veut que je fasse. What? Il fait nuit, là, d'un coup. Les déplacements sont assez bizarres. Hein. Ils sont assez... Ou alors c'est moi qui ai trop l'habitude du PC. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je suis dans ma tutute mobile maintenant. Je conduis un camion, mais... What? Donne-moi le camion. Je veux me transformer encore en automobile. Transforme-moi en automobile. Je suis un putain de camion. Regarde ça, je sais pas comment je fais pour avancer par contre. Ok, attends. Ok, c'est pour ça que j'ai pas de permis. Ok. Fais gaffe, Bigorneau, j'arrive. Je vais me monter sur toi. Ah, je voulais te rouler dessus, Bigorneau. Ok, comment je fais un 360? Drift! Drift! Ok. C'est assez rigolo. Un peu le genre le casse-noisette et tout ça. Attends, moi... Oh, oui, je sais, bah c'est bon, attends. Hey, je conduis une putain de voiture. Respecte-moi. Redeviens Noctis, d'accord. Monte sur la table. Hey, tu te rends pas compte de ce que tu me demandes, gamin? C'est un peu compliqué, là. C'est rigolo d'être tout petit, c'est maman j'ai rétréci. Wow, c'est quoi ça? Pourquoi il me fait des macarena, lui? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Balance leur des feux d'artifice! Si tu sais viser! Lui là, encore! Boum! Je sais pas si je suis supposé faire ça du tout, mais... Tape-le maintenant! Tape-le! Avec ton épée pourrie, là! En polystyrène! Ça fait des bruits fantastiques. Mode défensif maintenant.
On va voir ce que tu sais faire en mode défensif avec ton épée. Allez, ils m'attaquent pas par contre. Ils s'en battent les couilles. Genre, je peux les taper, c'est tout. Ta gueule! Oh si, ils m'attaquent! J'ai perdu les. Là, ils décident de m'attaquer. Saloperie! Allez, tu te. En fait, je me. Attends. Maintenir mode défensif. Non, là, je suis en mode offensif. Maintiens le mode. Essaye de te défendre. Ouais, va te faire foutre, ils veulent pas m'attaquer quand je me défends. La meilleure arme de cet royaume. Ah là, c'est musique épique. Reviens ici, que je te poute la gueule, monstre onirique. Ah, ils font des dégâts tout pourris par contre, mes épées. Je le frappe avec un cure-dent, quoi, le machin. Ok, vas-y. Avec ton marteau. Marteau. Reviens. Mais là, qu'une attaque toute pourrie, c'est pic. Pic. Tout ce que tu sais faire, Noctis. C'est ça le jeu. Vas-y, monte. En espérant ne pas tomber sur les revues cochonnes de papa. Ce serait pas très cool. Ouh, bonjour. J'ai l'impression qu'il a du mal à... La démo est un peu lourde, j'ai l'impression, quand même. Parce que... Oh là 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 là, les déplacements, j'ai du mal. Ou alors c'est moi qui me déplace avec un balai dans le cul. Oh. Mais quand t'es petit comme ça, le rêve, c'est de manger un plein. Hein. Genre les barres au chocolat, là, qu'on vient de voir, c'est genre... Ok. Tu peux monter la bouteille. Ah. Boire ou conduire, il faut choisir, il disait. Ok. Est-ce que tu peux... Tu penses que tu peux y arriver? Attraper celui-là? Faut juste que tu montes sur la bouteille, Noctis. Allez, t'as de la bouteille, je crois en toi. Vas-y, gamin, double saut. Double saut, gamin, non, rien à foutre, ok. Je peux aller me faire voir, j'ai compris. Peut-être que je peux escalader, non? Tu casses tout! T'as tout cassé, Noctis! OMG! Sale gosse! La belle construction, regarde, comment je fais pour monter maintenant, hein? Ok, on va peut-être y arriver, il s'est peut-être suicidé, le bigorneau. Avec tout le temps que je l'ai fait attendre, là. Wow. What, non, oh, what the fuck. D'où je tombe d'ici? Ah. Oh. Transforme-toi en voiture, Noctis. Est-ce que je peux monter avec ma voiture? Vas-y, ça j'essaye. En grand Theft Auto, là. Grand Theft. Grand Final Fantasy Auto. Parti. Nique l'arrosoir. Ah. Putain, c'est vraiment une semi-remorque, hein. C'est aussi dur à conduire qu'une semi-remorque. Recule, bordel. Je sens que je vais tellement m'amuser dans ce jeu à conduire les voitures, ça va être fantastique. C'est pour ça que je ne ferai pas de l'électricité dessus, je le sens. Ok, ça c'est bien. Est-ce que tu peux faire un petit drift? Non? Fast and Furious? Fast and Final Fantasy Rius, non? Ok, vas-y. Oh! Attention là, la manœuvre. Vas-y, on croit en toi! Vas-y! Un créneau! Vas-y, arrivez, gamin! Vas-y, arrivez! Non, ok, je suis coincé. Ok, tu vas peut-être arriver à monter ton cul là-haut. Je crois en toi, Noctis. Faut juste que tu regardes tes pieds. Je sais que c'est pas évident. Discipline que peu de gens arrivent à maîtriser. Ok, voilà, là, voilà, hop. Et te voilà, tu vas pouvoir te refoutre sur la gueule avec ces saloperies pendant que ton ami te regarde. En mode, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Et je change. Hop, le oh, le combo du marteau. Il m'a ouh, il m'a privé du combo de marteau. Non, non, vas-y, vas-y, le feu d'artifice. Ah! Ça va péter! Esquive! Quoi? Feu d'artifice! Ah! Il me mord le cul, là! De façon onirique, toujours, bien sûr. En fait, j'ai pas vraiment de barre de vie, ici. Chien de suppos de sultan! Essaye de les bloquer pour voir qu'est-ce que tu peux faire. Regarde, là, je suis en mode défensif, et il va m'attaquer ou pas? Rien à foutre. Ok, non. Quand je suis en mode offensif... Enfin, en mode défensif, ils sont genre là. On t'attaque pas, non, là. Allez, on lui met à tire, le. Mais ça branle, lui. Allez, hop, je suis d'arme. Je suis d'arme. Non. Oh. J'ai fait pouet. Eh, t'as vu, j'ai réussi, Bigorno. C'était comment? Bombe à foudre. Ok, ouais. Non, ok, pourquoi pas. J'aime bien le système du gamepad, c'est vraiment cool. Un sac de bombes ayant l'étrange pouvoir de faire tomber la foudre. Ok, ouais. Je vais rien dire, c'est mon rêve. C'est ce que je veux. Vous recevez un cadeau, ok. Il m'envoie des émotes plein de cœur, mais c'est mignon. C'est mignon, mais il me prend un peu pour un con. C'est cette maison, vas-y, entre. Ne crois pas les renards. Est-ce que je peux tout casser? Je sens que je peux être un petit enculé. Oui, oui, je peux tout casser. Elle est où ta maison, renard, hein? Elle est où ta maison, Bigorneau? Je suis un seul gosse. Elle est où? Oh non. OMG, OMG, tout se casse la gueule. J'ai fait une connerie. Alors c'est pas mal cette...
Cette petite envolée dans un rêve du personnage. Noctis, il a déjà la gueule de l'emploi, hein. Mode Kikudark ténébreux. T'as tout le côté kawaii japonais et le côté genre... Watashi wa kudo desu ne. Ok. Ça met 50 ans à charger aussi. Et nous voilà à Paris, la cité de l'amour. Ah oui, magnifique. Venise, je ne sais pas. Florence. Il y a un long couloir dans cette ville qui mène vers l'issue du rêve. D'accord. Un long couloir. Il y a des glaces surtout. Cherchons-nous ensemble. Mais bien sûr, Chouquette. Mais bien sûr. Ok. J'ai quoi là? La météo change brusquement. Eh ben voilà! Ça on veut. Oui, voilà, arc-en-ciel. Il y a l'arc-en-ciel. Waouh, c'est beau. C'est trop mignon. Il me suit et tout. Wouh! J'ai un compagnon. Oh shit, qu'est-ce qu'ils font là eux? Banzai! La musique elle change. C'est le moment de se mettre sur la gueule. Quoi? Qu'est-ce que... Waouh! Je suis devenu un... Mais c'est quoi cette merde? Je suis un crocodile avec des ailes. Hein? Qu'est-ce que c'est... Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est aléatoire ou quoi? Non, je suis un... Oh! Je suis devenu un mammouth! Nickelormais! Comment je fais pour les attaquer? Je peux les attaquer en étant un mammouth? Parce que ça tue un peu. Ah, on va les buter! Non, mais attends, ils sont un peu trop rapides pour moi, non? Moi, je suis un gros facochère, là. Oh, mais c'est cool, ça! C'est une version de Pokémon, quoi. Allez, touchez pas à mon bébé! Touchez pas à mon bébé! Vas-y, lance tes trucs de... Oh, non! Je veux voir le truc de food, moi. Oh oui, je peux diriger comme ça, d'accord, ok. Je sais trop bien viser. Heureusement qu'il y a une visée automatique, hein. Oh! Oh! Boom! Ça! C'est une attaque éclair, Pikachu. Ok, je vais voir ce que je peux me transformer encore. Oh, je suis une putain de girafe magnifique! Somptueux! Ma gazelle! Un peu bourré. C'est Noctis Simulator. C'est comme ça que je girafe, mec! C'est comme ça que je girafe! Ouais! Qu'est-ce que tu veux? Si t'es de l'amour, le Paris, là! Madagascar! C'est assez stylé. Franchement, c'est assez putain de stylé. Wow, wow, wow. Des gobelins. Est-ce que je peux me retransformer en machin? En mammouth! Vas-y! Ah! Oh, je les ai touchés, je crois. Oui! Ça a marché! Il y a un énorme gobelin, là! Chargez! Il est tellement mou du zbouf, lui! Vas-y! Explose-lui la face à lui! Ah! Ah! Meurs sous la force du facochère! J'ai rien fait! Je l'ai à peine touché, what the fuck! Il est pas mort, lui! Attends, on va le finir. Bouge pas. On va le finir avec mon marteau. Reviens, salopard! Reviens! Je te finis avec mon marteau! Voilà. Et là, c'est quoi? C'est la météo qui change? Le temps passe plus vite? Je comprends pas trop cette fonctionnalité, à part de voir le moteur graphique, j'imagine. Waouh! Ouais, les éclairages, ça change. Ça va être beau. Allez, je veux devenir un... Non, j'en ai marre de devenir le gros facochère. Je veux tester, moi, l'autre truc, là. Le crocodile, j'ai pas pu le tester. Ok, on va les attaquer. Banzai! C'est parti! Lance ta bombe de foudre. Même! Ça marche pas! Les pétards! Pourquoi tu les lances, là, Noctis? Fous-toi de mes gueules. Ça a l'air compliqué de viser. Je sens que je vais plus mieux m'en sortir sur PC, parce que là, je galère honnêtement avec la manette. Ou alors, ça demande juste d'avoir de la pratique, je sais pas. Allez! 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 Couché! Regardez ça, c'est beau, ça. Oh, il y en a encore un, mais ils sont combien? Il y en a combien de ces saloperies? Vas-y! Top! 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 Merde, arrête de... Arrête de gâcher tes bombes à foudre comme ça, c'est pas possible. Là, tu le vises, tu vois, tu le vises bien. Et j'ai plus de feu d'artifice non plus. Bah, ok. Mais ça va être cool si tu peux changer d'arme en cours de route, parce que ça va offrir beaucoup de dynamisme. Regarde, c'est beau, ça, ces chutes, là. Magnifique. Oh, c'est quoi, ça? Point d'interrogation. Vous ressentez une puissante aura. Tu te souviens quand ton père t'a acheté ton ballon? Ouais. L'aura du ballon. Appelle-moi Ronaldinho. J'étais content, mais je sais que tu aimerais qu'il joue avec toi. Joue avec moi.
Je suis mon papa maintenant. Papa Bigorno. Ok, là il y a un chocobo dépressif. What the fuck. Je peux casser les trucs par contre. Ça ne sert absolument à rien, je viens de tuer Bobby la boîte. Pas grave, il n'y a qu'à être alcoolique pour une fois. J'ai atomisé le ballon, il a disparu. Vas-y, tu veux pas jouer avec moi? De toute façon, Ronaldinho, non. C'est juste un souvenir, genre... Pour me rendre compte à quel point mon père, c'était un mec qui s'occupait pas de moi. Il s'appelait Régis. Okay, et maintenant? Il veut que j'aille dans le... Peut-être par là. Je sais pas. Les villes sont sympas en tout cas. J'aime beaucoup l'architecture de cette ville là. C'est très joli joli. Je sais que ça. La météo encore. Là on passe à la pluie. Bah ouais attends, j'ai eu un monologue dépressif sur le foot. Et mon papa qui m'aimait pas. Il préférait jouer avec d'autres types de boules. What the fuck, c'est quoi ça? MG, il est gigantesque. Un motherfucking gigantesque. Allez, combat. Boss fight. Boss fight. Boss fight. À terre le lutin. Toi aussi là. Double combo. Double monstre onirique, mon cul. Garde, écarte les jambes. Écarte les jambes, sacré pan. Mais créant. Mais lui ça a pété. Allez, tu fiches à l'épée maintenant. Ah. Get good. Be mad. Ok. Va se les faire. Par contre mes dégâts sont puants. Mon père il a honte de moi là je crois. Tiens. Attends, je vais aller le chercher lui. Mécréant! C'est bon là, j'en ai marre de la pluie en fait, il pleut assez souvent hein. Comme ça, donne-moi du soleil. Mais combien ils sont ces... Sacripant! Tap, tap! Oi! Il m'envoie des ectoplasmes! Esquive! Ok. Esquive! 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 Elle est bizarre la touche esquive, franchement. J'ai l'impression que c'est... Attends, oh, qu'est-ce qui vient de se passer? Le temps avance rapidement, j'en ai pas besoin de ça. Il y a peut-être un truc à gérer dans les options, mais la touche défense est la même que la touche esquive, donc c'est assez gênant en fait. Arrêtez de vous barrer. C'est fragile là, ils s'en vont. Ok, maintenant c'est bon, j'ai réussi ma mission ou quoi? On voit juste des beaux paysages en fait. Je pense que c'est ça le but de la démo, avoir un avant-goût de l'univers et du gameplay. Enfin, là, c'est un gameplay très Kingdom Hearts, j'ai envie de dire, très enfantin. C'est pas pour me déplaire, hein, mais... Marteau étincelant, ouh! J'espère qu'il est un peu moins puant que le machin que j'ai eu. Marteau cleaner, là. Un peu plus viril. On nous pousser des poils au menton. What the fuck, on est revenu au début, renard! Quelle est cette sorcellerie? Peut-être ramasser toutes ces... C'est quoi, ça? Un cadeau? Bombe à pluie! Waouh! Pourquoi pas? M'intéresse, moi. J'ai envie de tout tester. C'est l'inventaire. Je me demande si on a un inventaire limité aussi. Bombe à pluie, vas-y! Ouais! Avec ça, je vais faire mouiller tout le monde! Tu peux attaquer les boîtes? Ouais. Mais y'a rien dedans en fait, c'est juste des objets destructibles inutiles. Ha! Inutile, Bobby! Tu es inutile. Ok. Ça a l'air d'être... Il faut que je saute peut-être hein? Là hmm? Je peux sauter sur le banc? Ouais. Ah! Je l'ai eu je crois. Je suis pas sûr. Ouais je l'ai eu. Bon sinon Renard Bigarno là il est où la sortie? C'est pas que je m'ennuie dans mon rêve mais je crois que j'ai fait le tour. C'est cool d'avoir un compagnon en tout cas. Ça doit être là. Ah oui, d'accord, ok, c'était là. Wouh! Joli couloir. L'issue de ton rêve est l'endroit où tu te sens le plus en sûreté! Un couloir de bourge, quoi, ok? Il pète dans la soie, le petit Noctis. Je sais que tu adores dormir, d'accord, ouais. On va peut-être tomber sur ton lit. Waouh! Il me fait des avances, la Bigorno, ok? Et oui, je te connais très bien. Ah oui, parce que c'est moi qui t'ai inventé. Fais pas le malin. Fais pas le malin! Hep! Allons voir ce qui nous attend, ok. Et vous le saurez dans Final Fantasy XV. Les gros trolls, tu sais. En mode cliffhanger de la mort. Non, mais moi, ça me plaît bien pour l'instant. Après, les contrôles sont un peu erratiques. Enfin, pas erratiques, c'est un peu mou. Et les temps de chargement sont
énormément long. Ok. Énormément long. Ah. Cinématique. Un autre rêve. Oh, cette fois c'est plus actuel. L'entrée de la citadelle. Tiens, c'est bizarre. Ok, c'est trop calme. C'est calme, trop calme. Ok. Ça rappelle une ville classique, c'est assez beau. Après, les mouvements sont bien faits, c'est juste les déplacements. Tu sens la pesanteur des déplacements. C'est vraiment là que tu te sens le mieux. Non, Bigordo! Bigordo! OMG! Oh mon dieu, il a tué Bigordo! Oh bah non, ça va. T'as pas peur, je te protégerai des pires cauchemars. Oh, c'est trop mignon. Oh. C'est le moment de... Tu devrais avoir peur. Ok, oh, je deviens adulte. What the fuck? En fait, c'est un rêve. La puberté. La puberté. Ok. Wow, 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 je... Ça commence bien le combat. Boule de feu. Je sais pas viser, OMG. Combat épique, mais attends. Envoie ta boule. Je peux plus l'envoyer, si? Ah, j'en avais qu'une. Ok, ça a l'air d'être un con. Wow, j'ai une grosse épée. On va voir si je fais. What? What? Où est-ce que je vais là? Qu'est-ce que c'est que c'est. Attends, il faut que je m'y fasse en combat parce que ça va être compliqué, je pense. Si j'y arrive pas, vous étonnez pas, fidèle. Parce que ce mode de combat. En fait, il lance une épée. Attends, faut que je pisse le fonctionnement. Il lance une épée qu'il téléporte. D'accord. Et je suis en train de mourir ma race là. Prends la grosse épée, ouais. Protège-toi peut-être. Là, ok. Là, il se protège, ok. Ça, c'est... Non, ça a pas marché, là. Quelqu'un ne veut pas que tu te réveilles. Ok, les enfoirés, là. C'est Dark Souls ou quoi? Tapez! 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 Vas-y, Noctil! Vas-y! Te laisse pas décourager, mec! Oh, t'as perdu une jambe, ok. Tu veux pas renvoyer ton feu, là? Parce que j'ai foiré mon attaque comme un gland. J'aurais dû maintenir, je suis d'accord, ok. Essaye de maintenir cette fois. On va essayer de maintenir. Allez, là je suis en mode défensif. Voilà, là c'est une esquive, ok. Encore, encore, ok, là je comprends. Voilà, on va arriver à faire quelque chose peut-être. En fait il fait des téléportations assez chelous. Il a des déplacements aériens comme ça. Ok, en fait c'est assez double positionnement, j'ai l'impression. Comment dire? Là, il a un style rapide qui le téléporte. Et après, il se met en mode défensif. Sinon, il tape comme une petite... Défensif, voilà. Ça a pas marché du tout. Courage, tu iras voir. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Eclipse, maintenir. Waouh! Qu'est-ce que... Je peux me téléporter comme ça? Waouh! Ça, c'était plutôt stylé. Je veux le refaire. M'épuiser, ok, il va pas très bien Noctis là. Il a la migraine. C'est quoi les PM? Ok, ça me permet de me sauver, de me téléporter. C'est assez stylé. Assez putain de stylé, je dois l'avouer. Boum. La vache. Cette attaque de fou qui m'a lancé là. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je suis en train de prendre cher sur la gueule hein. En fait, j'ai plus rien, j'ai plus de PM. Ok, c'est le moment de taper comme un gros porc, je pense. Ça va pas bien, mec. Oui, bah, il faut m'aider, là, parce que là, je suis en train d'en chier, hein, Bigorno. Vous pouvez maintenant invoquer les armes fantômes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? L1, R1. Arme fantôme, d'accord. On va faire en sorte... Quand tu bouges pas, ça se recharge, ok. On va attendre qu'il ait full point de mana alors. C'est pas une vue très rassurante. Ok. Ça fait un peu beaucoup mal. Allez, on l'attaque quand même. Rien à foutre. Oh shit. Arrête de faire ça, Doc. Je sens que ça va être le plus gros défaut que je vais avoir, c'est...
J'arrive pas à maîtriser cette histoire de PM là. De ce fait, je me fais violemment violenter. Je sais bien que j'ai déjà dit que c'est pas la taille qui compte, mais t'as vu la taille. Ah! Téléporte-toi, mec! Oh, parade! Oh, d'accord, là c'était épique! Là c'était épique ce que j'ai fait! Je l'ai paré, d'accord, ok, il y avait une sorte de QTE, et ça c'était cool. Ça m'a permis de. Avec mes PM tout pourris de. Ah bah, c'est pas grâce à toi, Bigorneau, hein, putain. J'en ai chié. Tu vas pouvoir te réveiller. Ouais, bah, je veux bien, moi, mais. Ça, c'est des cailloux. Je dois aller là-bas, d'accord, ok. Eh, c'était compliqué, hein. Ça donne envie d'approfondir ce système de combat, mais je pense qu'au niveau prise en main, il va demander beaucoup de. D'application. Oh. La dalle d'éveil pour sortir du rêve et terminer la démo. J'imagine, ouais. Waouh! C'est beau! Il y a une Bentley qui arrive, ok. La voiture de ton père, je comprends mieux. C'est là que tu te sens le plus en sécurité! Je te donne ma voiture et. Dans un instant, il va rentrer ses. Tu veux venir avec moi, c'est ça? Tout le monde t'attend. Qui ça, tout le monde? Je suis le président? Qu'est-ce qui se passe? Bye bye. J'aime les gâteaux. Bye bye. Il est mignon. Et pourquoi il peut pas venir avec moi, en fait? Dans ma limousine? Comment je le tège? Je le tège de mon boys band, ça le fait pas. C'était un bigorne magique. Et voilà, elle va tout niquer, va lui donner un nom. Ah bah si! Carbuncle. Non, c'est Bigorneau. Pourquoi? Je ne sais pas. On dit au revoir à Bigorneau, il m'a fait un déjà. C'est comme Clémichou. Adieu, Bigorneau. On se reverra dans mes rêves. Merci d'avoir joué la Platinum Demo. Ce rêve de Noctis que vous avez traversé n'est qu'un tout petit aperçu de l'univers de Final Fantasy XV. Un monde gigantesque attend un Noctis adulte et ses amis dans Final Fantasy XV. Un monde nouveau qui vous attend également dans Final Fantasy XV. À bientôt! Oh, le petit chocobo avec des cœurs. Les enculés. Comment dire? Il joue vraiment sur le côté kawaii, hein, sur celui-là, sur cette démo. Et c'est pas pour me déplaire, pour être honnête, parce que franchement, c'était vraiment cool, c'était vraiment mignon. Et ça donne envie à bien des égards de découvrir ce nouveau monde. J'aime beaucoup le prototype, enfin je sais pas si c'est un prototype ou un aperçu vraiment de ce que sera le système de combat et de déplacement, me paraît bien dynamique et vraiment cool, surtout si t'as plusieurs personnages. Je me demande comment ça va se goupiller et s'agencer, mais je pense qu'il y a moyen d'avoir des combats vraiment très stylés. Le plus gros problème, ça va être la PM pour moi, les points de mana, j'imagine. Mais autrement, je trouve qu'il y a vraiment un cachet à cet univers et il me tente beaucoup comparé à d'autres Final Fantasy. À partir du 11, j'ai un peu lâché, même si je trouvais que les personnages étaient stylés et que ça donnait envie. J'ai un peu lâché tout simplement. Là, ça me donne vraiment envie d'y replonger à fond. Et je sais pas, il y a toujours ce côté très fantaisiste avec. La bande-son qui est vraiment formidable, ce côté symphonique qui te donne envie. ça te donne envie de chialer à chaque fois. Surtout quand t'as un personnage aussi mignon que Bigorneau. Donc je pense que c'est un touchdown pour cette démo. Et que ça m'a donné envie de l'acheter. Vraiment. À voir si j'aurai le temps de le faire, parce que ça va être un jeu assez conséquent. Mais ça me ferait plaisir de le faire, je pense, avec vous, trop fidèles. À voir ce que vous en pensez. Mais voilà, l'expérience était très sympa. Je trouve qu'il y a quand même pas mal. Je sais pas si c'est la console ou si c'est le jeu qui est mal. La démo qui est mal optimisée, mais il y a quand même pas mal de moments où ça buguait, où les déplacements étaient un peu. Ou alors c'est moi qui pue du cul, c'est aussi possible. Oui, je t'emmerde pour avoir cette réflexion. Cordialement. Donc voilà, très fidèle. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant j'aime et à partager avec votre entourage. Et si vous n'êtes pas encore, devenez un très fidèle. Sur ce, je vous dis à bientôt, peut-être pour du Final Fantasy en ma compagnie et d'autres vidéos en tout cas, ça c'est sûr et certain. Bisous!